se conformer sans réserve. Passer au scanner l'exercice fiscal 2013 pour mieux orienter les réalisations de 2014, surtout qu'il est attendu 1588 milliards de la Direction générale des impôts. Voilà le sens du séminaire bilan initié par Abinand Pascal, directeur général des impôts, ses plus proches collaborateurs et l'ensemble des premiers responsables des services de la Direction générale des impôts disséminés à travers la Côte d'Ivoire. Après les civilités au ministre délégué en charge du budget, Abinand Pascal a rappelé les efforts fournis en 2013 avec à la clé la plus-value de 20 milliards de francs CFA, un objectif de réalisation de 101,1. 1410 milliards fixés, 1425,9 milliards réalisés. Pour réussir 2014 des recettes. Un accent très particulier doit être accordé au cours de cette année à l'amélioration de l'action en recouvrement et surtout à la réduction des arriérés fiscaux par la mise en place d'une politique de gestion maîtrisée. Il s'agit entre autres de mettre un accent particulier sur la lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale, a indiqué Abinand Pascal. Tout cela ne sera possible, a rappelé le ministre délégué au budget, que si les agents font preuve de probité et de rigueur, comme souhaité par le président de la République. Je vous invite à sensibiliser davantage vos collaborateurs afin qu'ils redoublent d'ardeur au travail pour relever les défis qui s'annoncent plus grands, mais qui ne sont pas hors de notre portée. La Direction générale des impôts, c'est 3 962 agents et un maillage de sorte à rapprocher les services des impôts du contribuable ivoirien.